Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je refais cette vidéo parce que ma voix n'a pas été enregistrée. On s'est arrêté là à 40 ans, avec la compagnie Fox, où on allait justement prendre cette ville. Cette ville carrefour permettant de relier les plages d'Utah et d'Omaha. 40 ans constitue un objectif prioritaire pour les Alliés maintenant qu'ils ont débarqué. La compagnie Fox va sécuriser 40 ans et repousser Force de l'Axe. Je vous laisse tout de suite avec la cinématique. Malgré tout, ils ont pris les Allemands par surprise et sécurisé toutes les routes des plages. Leur objectif suivant était la ville carrefour de 40 ans, qui reliait les plages d'Omaha et Utah. La ville de 40 ans pour empêcher l'axe de séparer les têtes de pont alliées. Nous nous approcherons par le nord et nous nous dirigerons vers le centre de la ville. L'église est notre premier objectif. Quand on l'aura prise, on y installera notre QG de campagne. Attendez-vous à ce que le 6e régiment de Fallschirmjäger défende la place farouchement. Quand nous l'aurons sécurisée, nous contrôlerons 40 ans. Donc comme je l'ai dit, je refais cette vidéo parce qu'elle a planté. Je vous informe aussi que j'ai changé mon logiciel d'enregistrement parce que mon ancien a malheureusement fait planter mon ancienne vidéo. Parce qu'elle n'a pas du tout enregistré l'écran de mon jeu, elle a uniquement enregistré le son. Donc avoir 30 et quelques minutes de jeu sans avoir de son, c'est un peu... sans avoir de... D'image, c'est un peu embêtant, mais bon, on fait avec. Et nous voici dans le jeu. Je t'assure, les Yankees contre les Cubs, premier match de la finale de 38. Lefty Gomez était le meilleur lanceur. Hey Lewis, toi aussi tu sais utiliser ton poignet? Bon, mais alors qui? Je sais pas, Ruffing peut-être. Ouais, c'est ça. Rien de plus convaincant. J'en sais rien, moi. Faudrait demander à mon frangin, c'est une encyclopédie vivante du baseball. Alors, ça doit être de famille, la connerie. Bien envoyé. Bon, fermez-la et déployez-vous. Et ouvrez bien l'œil, les gars. On entre en territoire ennemi. Couvre-moi! Donc ça commence déjà très bien, on tombe déjà dans une embuscade. Prenez votre peloton 4 hommes à droite et demandez-leur de balancer des charges explosives sur le bâtiment. Voilà, affaire réglée pour cela. Si nos infos sont exactes, elle est défendue par des mitrailleuses. On peut s'attendre à rencontrer une forte résistance à ces endroits. Détruisez ces bâtiments avec des charges explosives ou des armes lourdes. On va utiliser les bâtiments pour couvrir notre progression et contourner les Allemands, compris? Quand on aura éliminé toute résistance et pris l'église, on y établira une caserne de campagne. Elle nous permettra d'appeler des renforts. N'oubliez pas, restez mobile et prenez l'église aussi vite que possible. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez trop de pertes. Vous pourrez avoir quelques troupes exceptionnellement en début de partie.
Donc n'hésitez surtout pas à être très agressif. Pour prendre rapidement les couverts qui sont utiles, hein, c'est-à-dire les couverts lourds. Hop, le bâtiment là, vous le nettoyez. Pour savoir la priorité des bâtiments, c'est simple. Pour garder les bâtiments, il y a plus de troupes. En priorité, ceux avec des mini-mitrailleuses et après ceux qui ont plus de troupes dedans. Voilà. Bon, il me débrouille moins bien que le premier coup, bon, ça arrive, hein. Comme vous voyez, essayez toujours de rester à couvert avec vos troupes. Que dès que vous vous faites prendre à découvert, vous aurez rapidement des morts. Vous avez un bazooka ici, ici et là. Moi, je vous conseille de récupérer celui-là et celui-là pour dégommer le bâtiment là, justement. Ça s'appelle cette plantée en balançant sa charge explosif. Évitez de gaspiller autant de munitions parce que... Là, vous envoyez ces troupes détruire. Voilà, ces 4 là on va les envoyer là-haut. Voilà. Affaire réglée. Bon, on fait ce qu'il dit, monsieur. Hein, on écoute, on écoute. L'église est sécurisée. Section 1 dans l'église. Établissez une caserne de campagne. Ah, et on établit la caserne de campagne. Une caserne de campagne, ça permet de recruter en fait des troupes sur le champ de bataille. Ce qui est extrêmement utile. Ici sniper et infanterie reportée, vous comprendrez très vite pourquoi. Et les mortiers seront utiles pour la suite. Les éléments du 6e régiment Fallschirmjäger se sont retranchés ici, au centre de 40 ans. Nous avons pour mission de les déloger de là et de prendre l'hôtel de ville. Les Allemands doivent nous attendre. Alors la route principale sera sûrement défendue et fortifiée. Il faudra peut-être essayer de les prendre par le flanc. Avant d'attaquer, il nous faut des renforts. On manque de matériel pour l'instant, mais on peut arranger ça en prenant les positions stratégiques autour de l'église. Bonne chance. Donc comme vous constatez, j'ai déjà pris le secteur de munitions justement pour ça. Bon, j'ai laissé les squads, mais c'est pas grave. Bon.
avancer pour investir notre territoire. Baissez la tête. Au fond. Tireur d'élite, au rapport. Avec moi, les gars. Allez, plus vite, les gars. Sniper, au rapport. Voilà. Ça, c'est une petite tricherie qui ne sera plus possible dans Compagnie au Fier aux œufs, hein. Parce que là, je vois la vue grâce à des unités postérieures. Demandez au sniper de tirer dans le bâtiment où il y a le sniper pour l'éliminer, voilà. Évitez de perdre juste ce secteur sécurisé, ça peut vous coûter cher vu qu'il y a beaucoup de munitions dessus. Bon, ils vont bombarder ça, mais c'est pas bon. Vous bombardez ça, mais c'est pas trop grave. Je vais bombarder juste pour détruire en fait les barbelés, parce que les barbelés, ça gêne justement le déplacement de mes troupes. Et comme cette carte est réutilisée dans la mission d'après, comme vous avez pu voir dans l'écran des missions vu les titres, hein. Il est important justement de bien préparer le terrain pour une défense efficace. Cette mission en fait est un peu grande parce que comme vous constatez j'attends toujours sur mon sniper pour objectif secondaire. Donc je dois attendre qu'il fasse ses éliminations, tout ça, donc ça prend un peu de temps mais bon. C'est le jeu hein. Je vais aussi vérifier justement ce que vous ai dit avec le doute d'un mission précédente avec l'histoire des pertes alliées à Omaha sur les plages. Il y a à peu près eu en tout 6000 morts sur les plages de débarquement. Donc les chiffres qu'ils ont donnés, c'est des chiffres juste pour la plage d'Omaha Beach. Même si j'ai plutôt trouvé 2500 que 1500 morts, mais bon. Tout dépend des sources où on cherche, tout ça, donc au final... Au final, ça fait quand même. Je pense qu'il paraît une mort directe de personnes qui ont été tuées. Après, il y a aussi les portées disparues que moi j'ai pris en compte.
ce qui augmente donc le nombre de victimes. Or et Morty, on va commencer à les avancer pour après. Si vous avez un souci, coup de mortier sur le bâtiment là. Bon, j'ai carrément rayé le bâtiment de la carte. Alors il faut savoir que si vous camouflez votre unité, bon, il va moins vu, il se dépasse plus lentement tout ça, mais il tire aussi plus lentement. Légèrement plus lentement, mais bon. Voilà, si vous êtes contre une IA, vous pouvez le laisser à découvert, mais contre un vrai joueur, je vous conseille toujours de garder à couvert. Caché dans les endroits assez élevés, par exemple une église, et comme ils ont dit, c'est très efficace. Mais bon, voilà. Je vais envoyer au sacrifice mon sniper parce qu'il m'est pas beaucoup utile. J'aime pas trop cette unité en général, d'une manière générale. Donc voilà. Avec les mortiers, on va avancer pour pouvoir pigonner un peu plus haut. Pour pigonner la mairie, parce que dans la mairie, il y a justement des mitrailleuses qui vont nous gêner énormément. Ça, c'est à force de jouer et de se faire avoir ses troupes, à force quand ça est habitué au jeu. Ouais, ce que je vous disais, il y a encore deux soldats avec des mitrailleuses dedans. À droite, il y a un canon anti-char. Bon, le canon anti-char, c'est inefficace contre l'infanterie, mais c'est très efficace contre les véhicules. Donc voilà. Nous n'avons pas de véhicule, on s'en fiche, mais bon. Ça peut, si jamais ça touche votre infanterie en tir direct, ben vous perdez quand même l'infanterie. Donc. C'est surtout les mitrailleuses en fait qui posent problème sur ces missions. Parce que les mitrailleuses vous stunnent tellement infanterie qu'au final vous bougez plus. Après ici il y a de l'essence, mais l'essence ne vous sera pas du tout utile. Pour l'instant en tout cas. L'essence est utilisée pour tout ce qui est construction, tout ce qui est amélioration aussi. Enfin, ça dépend quel type d'amélioration. Amélioration de véhicule, ça demande souvent de l'essence.
tout ce qui est véhicule, donc étant donné qu'on se bat uniquement l'infanterie, c'est pas très utile, hein. Ce qui est bien le contraire en fait de tout ce qui est munitions, parce qu'on a quand même beaucoup besoin de munitions pour tout ce qui est grenades, chars explosifs. Et voilà. Je lance une grenade. Nous avons enfin pu prendre la mairie. Quand même était très difficile à prendre celle-là. Et la raison que j'ai pris autant de bazooka, bah, c'est justement pour le puma. Voilà. Et maintenant les unités ennemies vont se replier. C'est une mission voilà, que j'ai refait déjà plusieurs fois, donc j'ai pas beaucoup commenté, je m'en excuse. D'avance. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de réglage parce que c'est vraiment un tout nouveau logiciel que j'utilise là. J'espère que ça s'est plutôt bien déroulé. Donc ainsi, nous avons réussi à prendre 40 ans, une nouvelle fois pour moi en tout cas. Nous avons réussi à échapper à l'embuscade initiale, à capturer l'église comme pour en faire un autre QG de campagne, avant de pouvoir avancer sur le centre-ville et de prendre cette mairie qui était lourdement défendue. Pour ça, on a eu besoin des munitions à portée de notre QG de campagne. Et nous avons réussi à obtenir un signe du tireur d'élite pour avoir réussi à tuer 30 personnes avec l'aide des tireurs d'élite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.